الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيصل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله aujourd'hui nous pouvons apprendre concernant l'interdiction de imiter ban kuffar. Un musulman, tous les jours, quand il fait salat, il y a une dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait enseigner pour faire. Pas seulement dans chaque salat, nous fait sa dua là. Nous fait sa dua là dans chaque rakat. Dans Surah Al-Fatiha, nous dit Ihdina Surat al-Mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Surat al-Ladina an'amta alayhim. Chemin du ban, dimun l'eau, lesquels te fait une veste faveur. Ghayril maghdoubi alayhim wa l'abdallin. Pas chemin de ban qui fait une gain de colère, ni ban qui fait une égarée. Donc, si nous faisons une réflexion, l'eau, sa ban parole qui est dans le surah Al-Fatiha, plus spécifiquement sa dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait enseigner nous pour dire, et de notre surat al-mustaqim, du péché, la guidance, Allah pas fait seulement enseigner nous, chasse la guidance, Allah fait dire nous, demande protection contre suivre chemin de ban qui fait une gain colère d'Allah. Ghayr il maghdoubi alayhim. Oh Allah, pas fait nous suivre chemin de ban qui fin gain te colère. Ou alors dolli, ni ban qui fin égaré. Donc, nous comprenons par Allah qui, nous pédi Allah, oh Allah, pas fait nous suivre chemin de sa ban djimoun là. Des catégories djimoun qu'Allah ta'ala fin mentionné, c'est al maghdoubi alayhim, ban qui fin gain la colère d'Allah, et ban qui fin égaré. Nous trouvons dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit al-maghdoub alayhim al-yahoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec ban sahaba sa ban qui fin gain colère d'Allah c'est ban yahoud et ad-dalloun ban qui fin égaré c'est ban nasara. Des catégories. C'est ce que nous dit ban ahlul kitab. Sa des catégories là, en là-dedans, en quelque chose qui spécifique à eux, c'est ban yahoud, c'est qui se fin gain la colère d'Allah. Et un trait qui est spécifique à, qui particulier à ban Nasara, c'est ban du monde qui fin égaré, qui fin quitte le droit chemin. Donc, tous les jours, un musulman lui fait sa dua là, ou Allah guide-moi dans le droit chemin. Parfaitement suivre sa chemin qui fin être, sa chemin qui sa ban kaoum là, sa ban peuple là, fin suivre. Et malgré cela, nous pouvons trouver que Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, fin fait prédiction. Je ne fais prédiction qui se oumat pour suivre chemin de sa décaoum là. Spécifiquement. Extrêmement, comment dire, un paradoxe. Malgré que sa oumat là, tous les jours, les chaises protection avec Allah pour pas suivre chemin de ban qui n'y a collé, ban qui finit garé, c'est ban yahoud et ban nasara. Et en plus de ça, nous rasoul peut faire prédiction. Qui fait le prophète fait prédiction qui nous poursuive sa ban kaoum là pour qu'il nous prend précaution. Pour qu'il ne pas le retrouve nous parmi sa bande qui peut suivre sa bande kaoum là. Et nous pouvons trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Sahih al-Bukhari, il dit la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Certainement, je poursuive. La tattabi'unna salam la at-tawkid. Nous, là, on sait que nous, at-tawkid. Puis mettons l'emphase. Le prophète peut dire certainement, ça allait pour arriver, ça définitif. Certainement, je peux suivre sunana man kana qablakum. Sunna, façon de faire, pratique, chemin de ban qui t'y avant eux. Shibran, shibran, dhira'an, dhira'an. Shibran, c'est distance qu'il y a entre mes pouces et mes petits les doigts, comme on écoute mon ami ou man les doigts. Je peux suivre sa ban, peuple, avant eux là, ça pour ça sur sa distance là et dira'an bi dira'in coudé par coudé nous quand traduit comme pousse par pousse bout par bout je poursuis sa ban là jusqu'à que le prophète dit hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum et une riwaya qui mentionne dakhaltumuh je pour rentre dans sa trou là même si sa ban qaoum là sa dé qaoum là je rentre dans trou de dob dob c'est une créature qui vit de désir les pareil comme un iguane. Le prophète dit, si ban là rentre dans le trou, je touche, je pourrais rentrer dans le trou de dob. Et ban savant qui explique sa hadith là, je dis, qui fait, le prophète il choisit sa créature qui appelle dob. Et il y a plusieurs ban animaux qui fait trou, je vivre de la terre.
Mais c'est moi, ça m'a des animaux-là, quand je te fais un trou, je fais un autre trou que je te fais sortir. S'il y a un danger, je ne sortis pas un autre trou. Par contre, d'abord, il fait un seul trou, lui. Quand il rentre, il aime lui pour sortir. Et en plus de ça, ben, qui n'explique sa haditha, je dis qui, ben, savant qui n'explique sa haditha, je dis que c'est un trou qui est impur. Veut dire qui, sa trou-là, peine à s'y mettre sortir, ça. Veut dire, celle, sa rentrée-là, j'aime se sortir, ça. Donc, si vous, sa trou-là, je peux mourir là-dedans. Veut dire qui, si, comment dire, ça va comme du passé là, je te rentre dans sa trou de doigt, nuit, chine, vous faire pareil. Ça, c'est une prédiction du prophète. Ben, ça va dire, ya Rasulallah, el Yahoud, ben, Nasara, quand on peut dire, ben, qui est avant nous, c'est ben Yahoud et ben Nasara, le prophète dit, Faman, si pas ben là, mais qui s'en a l'eau. Veut dire que le prophète peut faire une prédiction qui nous poursuive sa ban kaoum là. Et avec un, le prophète vient de l'emphase ou là, qui nous poursuive sa ban là, pas si suivre, suivre, pas par pas, bout par bout. Jusqu'à ce qu'il ne peut trouver aujourd'hui dans l'Arabie, ou pas si penser comment capable arrive ça. Qu'un peuple qui dans son école, depuis ce maternel, ce primaire, ce intermédiaire, et la belle intermédiaire, ce secondaire, je t'apprends digne. Je t'apprends, si vous avez un petit curriculum de ce pays-là, ben là, apprends digne. Mais c'est moi qui ai halat beaucoup moins de fois. Je ne trouve pas internet, je n'ai pas besoin d'une description. Qui halat qui je n'arrivais, malgré que je t'apprends digne, et dans la langue arabe, je comprends Coran et Hadith plus bien que nous. Parce qu'il y a ce jeu de langage. Je peux vivre la terre de wahi de révélation. Je peux vivre en la terre côté na savant. En la terre côté la même man sahaba fin mosé. Côté la même le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin traversé. Mais sa même peuple-là, a zodi, get qui chemin les peut suivre. Get qui, par millions d'immunes, bien la samane spectacle, côté permet man artiste, qui permet man kitseuse indécent, permet man kitseuse propre à ban l'Ouestern, à ban l'Europe. Et sa comme-là, et sa man musulman. Ça va être musulman dans sa pays qui, nous prenons l'exemple, si nous sommes de Maurice, nous capables de dire, bien, un Mauricien, musulman, lui, tant pour cent, les tigites, il y a une minorité. Alors, il y a une petite chose qui, humainement, compréhensible, qui est un être humain, lui peut influencer pas sur l'environnement. Et il y a une majorité autour de nous qui pas peut suivre, digne. Alors, pour nous, ce qu'on courant, il est difficile. Mais dans sa kaoum, là-bas, quand il y a 90%, 99% musulmans, mais seulement, on peut trouver qui, je peux prendre chemin, je peux prendre culture de ban western, de ban de l'Occident, de l'Europe, de ban les autres Kaoum. Donc, un musulman, si ça n'a pas interpellé, si ça n'a pas fait lien traca, ben, ce musulman-là, les besoins posent lui-même, les besoins revoient un coup de son iman. Qui fait quand on trouve ça dans ban les autres pays? Ça ne finit arriver dans beaucoup ban pays arabes, il finit arriver dans l'Égypte. À lire un petit peu d'histoire, comment ban colonialiste, quand je ne rentre dans le monde musulman, je ne servis tout ban moyen pour faire ça ban peuple-là, ça ban peuple musulman, par exemple l'Algérie, la Tunisie, le Maghreb, l'Égypte. Je te souviens lire l'histoire de l'Égypte. Comment dans l'époque colonialiste, dans le 18e, 19e siècle, quand ban fausse impérialiste anglais, français, finalement italien qui est dans la Libye, dans différents, même dans l'Inde qui conquérit par ban anglais. Je ne fais tout, je pas seulement conquérir la terre à sa peuple, là, je n'ai envie aussi conquérir l'esprit. Parce que quand on conquérit un peuple sur la terre, quelques temps après, maintenant, vous révoltez contre tout. Mais bien conquérir l'esprit, fait juste accepter sa présence étrangère, là. Fait juste accepter sa culture qui sa peuple, qui conquérant l'Inde a mené. Je ne servis tout moyen comme dans l'Égypte, l'éducation, tout le monde, je n'avais pas de Birfad, de délégation par la panne de l'Europe, pour européaniser sa peuple arabe de l'Égypte, dans la Tunisie, pour trouver, je mets l'emphase, je te langage français, il amène ce langage de ce système scolaire, il veut juste apprendre la langue française, l'autre invini amène ce langue, qui fait pour faire sa peuple-là, adopter culture de sa peuple conquérant-là. Mais ça c'est une histoire qui n'écrit, ça lit là, ou capable de lire ou à le redire. Mais là, ça même processus, ça processus de déculturisation, qui ne finit pas en place dans comment ça s'appelle? La Tunisie, dans la France, ainsi de suite. Ça même processus peut implémenter à Zodi dans la terre que le Coran vient révéler. Alors ça,
Ça, c'est une quelque chose qui vraiment lui interpelle un musulman. Et ben, les autres topics pour le moment, Inch'Allah, après nous causons ben, les autres quelque chose. Hein. Yes. Alors, ça, c'est ce qui nous trouve qui. Ça, lui, bizarre, interpelle un musulman. Comment est-il possible qu'il, aujourd'hui, sa peuple qui connaît le Coran, qui n'a pas le Coran, n'a pas l'Iman, et n'a la terre sacrée, peut adopter la culture des autres. Et ça, l'infier intentionnel, ça. Alors, ce moment-là, c'est une parole livrée. Il n'y a plus vrai que ça. Il n'y a plus vraie parole qui parole à Allah, ce moment-là. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Parole qui est plus vraie, c'est le livre d'Allah. Allah, ce moment-là, dit وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَن تَرْضَى زَامِي وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ زَامِي qui appelle زَامِي لَن de langue arabe veut dire زَامِي pas arriver ça وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ ban يَهُودُ n'a pas pour satisfaire وَلَن نَصَارَى ni ban نَصَارَى pour satisfaire avec eux jusqu'à qu'ils suivent, zut ban kinga iman, suivent ban la zut millet, zut face, zut din. J'ai envie que ces musulmans-là abandonnent ce din, suivent pour zut. Alors, ban un travail, je ne fais faux, je ne réussis, je ne fais faux. Vous allez lire l'histoire pour trouver. Par exemple, quand vous trouvez Napoléon, quand il rentre de l'Égypte, les partis rentraient seulement avec l'armée. Alliés pour trouver. Napoléon, il rentrait avec ban expert, ban ingénieur, ban scientifique dans différents domaines. Parce qu'il pouvait prendre sa pays-là, pour les sens, ce système d'éducation, pour les contrôler sa pays-là. Au contraire, Napoléon, finalement, la printing press, la presse patinait à l'époque-là dans l'Égypte. Premier qui amène la presse de l'Égypte, c'est sa ban français, Napoléon. Veut dire pour montrer qu'ils ont fini. Pas juste pour prendre la terre, pour conquérir ça l'esprit de savane musulman-là, pour faire juste adopter la culture des autres. Et vous pouvez trouver, comment on a fait mettre la mélo à l'Azhar, comment j'ai fait avoir une délégation pour la prendre dans la France. Alors, tout ça, c'est un plan bien stratégique musulman, koufar, je ne préparais. Par exemple, quand on peut trouver ça qui peut dérouler à ce terrain-là, allier un petit peu rapport RAN. Hein, RAN, c'est une organisation qui. Je te fais une étude dans différents domaines et je te fais une étude pour guetter comment pour gagner le monde musulman à ce côté. On va trouver qui m'a un plan, qui m'a un faire. Alors, nous pouvons trouver qui la cause à Allah Ta'ala finit de nous saluer tous les jours dans le Coran, nous lire Ghayril maghdoubi alayhim waladdallin. Pas chemin de ban qui finit gain. Pas fait nous suivre de ban chemin de ban qui finit gain te coller. Là, nous pouvons trouver. C'est le Coran, nous pouvons de sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il prédit qu'il nous poursuive, mais en même temps aussi, les finit nous pas faire ça, pas faire ça, pas faire telle, telle, quelque chose. Les prophètes n'ont même pas interdiction dans différents aspects de la vie pour qu'ils ne pas ressembler à sa bande kuffar là. Par exemple, premier, nous prenons différents domaines. Premier, de croyance. Dans nos croyances, de façon qu'ils nous croient, dans nos Aqida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, vous trouvez dans un hadith où le prophète dit La tutiruni, kama ataratin nasara uni, kama ataratin nasara Isa ibn Maryam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit N'a pas exagéré concernant moi, kama ataratin nasara Isa ibn Maryam. Pareil comment ban nasara, je finis exagéré concernant Risa, le fils de Marie, alayhi salam. Le prophète dit de nous l'autre, ben, t'es nous. Pas exagéré concernant moi. Qui veut dire, la possibilité qui sa oumette-là exagéré concernant le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est probable? Oui, c'est un kitso qui n'est pas type capable d'exister. Le prophète pas type interdit nous, lui. Veut dire, c'est un kitso qui est probable. Mais effectivement, ce qui finit arriver, comment on sort en fin exagéré concernant Risa, alayhi salam, je fais une divinise, Risa, alayhi salam, aujourd'hui, pour trouver un beaucoup de musulmans, je ne prends pas un attribut qui appartient à Allah, je ne attribue à Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une façon qui dit moins exagérée concernant Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il a dit moins attribué capacité pour connaître l'invisible.
attribue de Alim al-Ghayb à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Oui, nous Rasoul, il connaît certaines manifestations de l'invisible, mais il n'y pas possède Suifa, attribut de Alim al-Ghayb. Ça lui appartenir. J'ai là un jariya, un fille, je peux taper d'af dans un walima, dans un moyaz. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai là une petite fille, je peux santé. Ben arabe, je te connais, connu, je te l'amour pour poème. J'ai là une petite fille, je peux taper d'af, je peux santé poème dans sa walima là. Il peut faire éloge de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut santé un nashid, bien poème. Arrive à un point, dans Sahih al-Bukhari, arrive à un point. Quand sa fille là, il dit, « Wafina nabiyun ya'lamu ma fi ghadi » Et parmi nous, il y a un nabi qui lui connaît ce qu'il y a le lendemain. La présence de Rasul alayhi wa sallam, sa fille là, il peut faire poème, il peut praise le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit sa parole là, « Wafina nabiyun ya'lamu ma fi ghadi » Parmi nous, il y a un nabi qui lui connaît, qui peut arriver le lendemain. Nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il connaît cette fille là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit non, pas dire ça. Quand il dit une parole qui te tue déjà avant, mais pas dire ça. Et là où vous trouvez Imam Ibn Hajar, sa savant qui explique Sahih al-Bukhari, il commente le hadith là, il explique comment attribut de l'invisible, comme l'invisible, ça l'épouse Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'empêche nous, fait exagération concernant le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, vous trouvez une chasse aide avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. On est divan avec Allah et divan avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une petite chose qui a été dit. Le prophète lui-même, lui, il fait dire nous, « Ida sa'alta fas'alillah » Quand tu demandes, demande avec Allah. Zame, il fait dire, demande avec lui. Donc, ça, c'est une exagération quand il y a le croire que nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, capable d'en aider à lui, là, il peut faire erreur de son akhida. Donc, il ne fallait pas qu'il nous suive parce qu'on peut trouver tout les jeux d'in, Nasara, Yahoud, je ne fais du monde pour intermédiaire entre Allah et sa créature. Abord, dîne à l'islam, paye ça. Ziz, dîne à l'islam qui enseigne nous. Wa ida sa'alaka ribadi anni fa inni qarib. Quand mon serviteur pose-toi question, ô mon ami. Quand mon serviteur pose-toi question concernant moi, inni qarib. Mopré avec mon serviteur, ou jibu da'wat ad-da'i ida da'an. Je me réponds l'appel de celui qui invoque moi quand il est invoqué. Oud'ouni, Allah dit, oud'ouni, demande avec moi, astajib lakum, moi pour répondre zut. Donc, c'est le dîme qui enseigne un enseigne du monde, demande avec seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les restes dîmes font nous passeport intermédiaire, peu importe qui forme, ni pense intermédiaire là. Ziz din à l'islam qui enseigne pour demander avec Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Donc, Azouti, ça oumat là, les finales, exagéré concernant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Pas seulement ça. Nous trouvons Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans ce dernier moment, quand il est prêt pour quitter sa dunya là, ce dernier maladie. Comme il est dans Sahih al-Bukhari, le Sahih muslim, il dit sa parole là. La'anallahu al-Yahud wa al-Nasara. Tous les temps, ça, vous devez les répéter, ça dit que ça décombe là. Qu'Allah li maudit ban Yahud wa al-Nasara, ittakhadu kubura anbiya'ihim masajida. Je ne prends qu'abar de ce ban prophète comme ban masajid. Un masjid est un lieu de prière. Masjid, c'est place pour faire ribada. Qui n'arrivait? Ban là, ça ban, les prophètes disent malédiction, le Yahoud et Nasara. Je ne prends qu'abar de ce ban prophète comme ban place pour faire ribada. Qabar, c'est ma place pour faire ribada. Masjid qui place pour faire ribada. Vous trouvez comme un hadith. Vous trouvez un hadith qui fait mention. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a le masjid, c'est le visiteur d'Allah. Les pirates visitent Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète dit, haqqun ala al-mazur en yukrim al-za'ir. Il dit, la case Allah, ça. Un démon qui a le masjid, les pirates visitent Allah subhanahu wa ta'ala. Parole qui rassoule sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans ce hadith-là, il y a un visiteur d'Allah. Il dit, il y a un devoir, celui qui peut être visité, Allah. Celui qui a visité, c'est Allah. Il y a un devoir, celui qui peut être visité pour les honneurs, celui qui peut visiter. Un yukrim al-za'ir. Mais quand on a masjid, Allah est doux. Quand on a masjid, on demande doa. C'est place que tu vas faire ribada, que tu vas invoquer. Wa anna al-masajid lillah. Ban masajid appartient à Allah. Fala tad'u ma'allah yahada. Pas invoque personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lieu de ribada, c'est masjid. Et non pas qabar.
ban Yahoud et ban Nasara, je fin prend kabar de je ban prophète, il fait ça vin lieu de prière. Alors, je dis pareil, et n'a ban djemoun qui je dis c'est ban Aulia, alors je t'arrange, ban mausolée, ban Darga, alors ban djemoun a tombé dans ban shirk à travers ban kitsus pareil. Donc, au matin, il a fait pareil comme Yahoud et Nasara. Donc, de noir qui d'un même, on peut trouver ça au matin, il a le dévié. Il a le prend, on peut trouver. Dans certaines bandes dînes, il y a, soi-disant, une divinité qui occupe telle kitsus, une divinité qui occupe telle kitsus. Aujourd'hui, il y a ce concept-là parmi certaines bandes sectes qui sont dans l'islam, qui est une bande saint, qui occupe certaines différentes fonctions de ça, le monde-là. Alors, tout ça, là, c'est bandes kitsus qui n'arrivent de ça, au matin-là, nous n'en ressemblons. Nasara. Le kitsus, dans l'akida de nos croyances, nous retrouvons dans nos banaribadat aussi. Dans nos banaribadat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne nous ban l'autre et ban interdiction afin qu'il ne nous pas ressembler à aucun moment à ban Yahoud et ban Nasara dans nos banaribadat. Par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens habitent en Makkah, quand ils viennent dans Madina, les fin remarquer qui 10 Ashura, dix Muharram, c'est qu'il y a Ashura, ban Yahoud de Madina, je peux observer le jeûne, je peux garder Rosa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'état est demandé, mais qui fait que j'observe sa jeûne là-bas? N'a jamais c'est la cause. Allah fait une victoire à Moussa alayhi salam, le pharaon la cause. Ben, je dis, nous gardons sa Rosa là, nous observe sa jeûne là, parce qu'Allah fait une prophète. Moussa, victoire le pharaon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous, musulmans, et avec ce ban sahaba, nous plions bizarre garde sa rosa là. Et il dit, mais seulement garde un jour avant. Il y a une riwayat qui mentionnait, ou bien garde un jour après. Zis pour pas ressembler avec ban là. Oui, garde Ashura, mais seulement garde un jour avant, ou bien un jour après. Qui fait? Qui raison les peut dire ça là? Pour ne pas ressembler sa ban Yahoud là. Au bout de trop, par exemple, il y a un moment que tu n'es pas supposé faire salade parmi. Quand le soleil peut lever, à l'horizon, le soleil peut commencer à lever. Le païen va faire salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas faire namaz de salier là, il dit comme ça, hina idin. Qui fait le peut empêcher nous faire salat, faire sijda, faire salat, dans l'air que le soleil peut lever. Il dit, hina idin yes, judulaha al kuffar. Parce que dans ce moment-là, ban kuffar, je fais sijda, je fais la prière pour le soleil. Pourtant, un musulman, quand il faut faire sijda, il faut faire pour Allah. Un musulman, quand il vous fait nafil, ou bien n'importe qui namaz qu'il vous fait, il vous fait pour Allah. Mais, puisque dans ce moment-là, quand le soleil peut lever, ban koufar peut faire, je te la prière, pas faire nous. Nous ne pas faire si c'est pour ça. Donc, nous allons ressembler, ban là. C'est-à-dire que, jusqu'à ce que nous avons un ribadat, nous, Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, finons de nous, pas ressembler à ban koufar là. Donc, deuxième, nous disons, premier, d'Akhida, ça, on met là, fin arrivé, tombe dans. Imitation de ban koufar, de son akida, d'une cause de ribada. Maintenant, nous venons avec ban fête. Nous reçons cela, alayhi wa sallam, pareil. Les temps, ils rentrent dans Madina, ils trouvent ban djimoun dans Madina. Et il y a deux jours durant l'année qu'ils se réjouissent, ils se célébrent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose question ban djimoun de Madina, parce qu'il y a un habitant en Makkali. Il dit, mais qui fait, qui se peut faire, qui dit avec ban sahaba, qui fait se réjouir ça deux jours là? Je peux célébrer. Et là, ben, sahaba, j'ai dit, Rasulallah, nous ici, nous pareil, quand nous sommes de Jahiliya, nous sommes en combat islam, nous ici, nous peux célébrer ça, ben, jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah qad abdalakum bihima khayran minhuma. Allah, il change ça des jours-là. Il nous a des jours qui meilleurs. Yawm al-Adha wa yawm al-Aid. C'est le jour de Ridul al-Adha et le jour de Ridul al-Fitr. Donc, Rasulallah alayhi wa sallam, il dit, pas faire ça, ban fête là, c'est-à-dire, à l'infini de nous fêtes, nous avons nos jours qui nous réjouissent. En plus de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran dit, Allah peut décrire, Allah ta'ala peut décrire, ban croyant, walladina la yashhadouna zour. Ban croyant, c'est ban qui pas témoigne, azour. Azour, c'est le mensonge. Wa idha marru billaghwi marru kirama. Quand je passe côté ban futilité, je passe avec dignité. Veut dire, quand vous êtes dans le tafsir, beaucoup ban tabiri,
Je finis explique ça mesure là, je dis c'est fait de mal mouchriki, dit même Ibn Kathir fait mention de cette tafsir là. Les dix jours, c'est fait de ban ayad al-mushrikin. Donc, ban ibad al-Rahman, wa ibad al-Rahman il-ladina la, wa ibad al-Rahman, wa ladina la yashhadun azur. Ban ibad al-Rahman, la yashhadun azur. Je n'ai pas témoin le mensonge, je ne pas témoin, je ne pas guetter, fait de ban kuffar. C'est-à-dire, pas témoigner, c'est-à-dire, encore plus loin, je ne pas témoigner, je ne pas participer. Je ne prends pas de sa van fête là. Qui fait? Parce que ça va être fait de ma mouchdikine là. C'est une fête que tu peux honorer, je vais une divinité, je vais une fausse divinité. Et nous connaissons dans l'islam, plus grand péché, c'est associer ma divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous ne pas supposer à participer de ma fête de ma koufar. Et ce qui est extraordinaire, ça veut dire, deuxième partie là, Allah dit, Waïda marro billah, wa marro kiram. Quand je passe que ma futilité, je passe avec dignité. Je ne sais pas comment dire, ébloui par. Là, c'est une futilité. Aujourd'hui, vous trouvez dans l'Arabie, appelle ça Hay'atut Tarfih, Entertainment Authority. Sous ce thème, entertainment, dans l'islam, il y a entertainment. Un entertainment qui est halal. Alors, sous cet entertainment-là, passe un tahram. Mais tu es joué avec din Allah. Caché de haram, parce que c'est une fausseté. Par exemple, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient dire, à l'époque où venait que le bandimon pour boire, mais je peux s'en souvenir, ça va appeler divin. Mais je peux s'en souvenir de banquiteuse. Alors, sans nom de banquiteuse, il n'y a pas sens aux réalités. Donc, ce qui est haram, il pourrait être haram, même qu'il ne peut pas appeler entertainment, il ne peut pas appeler sport, qu'il ne peut pas appeler. Alors, quitte l'attitude de ban croyant face à ban futilité. Quand je passe que ban futilité, je passe avec dignité, je vais aller. Je ne suis pas indulge, je ne suis pas involve de ban futilité. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une fois il trouve un djimoun, de Hadith d'Abu Dawoud, un djimoun il peut suivre un oiseau, hamam, un pigeon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, shaytanun yatba'u shaytana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un shaytan peut suivre un shaytan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un shaytan peut suivre un shaytan. Comment possible ça? Un djimoun il peut suivre un oiseau. Le prophète dit, un shaytan peut suivre un shaytan. Un savant, je t'explique ce hadith là. Je dis que ça dit mon ali patienne sa soeur. L'ipatienne n'a rien fait avec sa oiseau là. L'ipé est solitaire avec sa oiseau là. Le prophète a qualifié sa dit mon ali de un shaitan. Et le prophète a servi le mot shaitan hein, pour sa oiseau là. Qui fait? Parce que le prophète savant explique ce hadith là. Il fait venir un moyen pour sa dit mon ali distraire depuis le rappel d'Allah. Est-ce que imaginez? Ça va une concierge qui peut faire un derrière l'autre tous les jours pour aller jusqu'à Mos. D'ailleurs, Ramzan va pas arrêter. Ça peut aller comme ça là. Ça peut aller tous les jours comme ça là. Et ça va une supposé na iman, se peut indulge tous les jours dans sa van fitna par millions, pas par milliers, par millions du monde. Une visite sa van distraction qui est beaucoup là-dedans et la van qui est haram. Alors, pour montrer nous, et nous pour trouver l'attitude de sa van du monde là. Donc, il y a un petit peu de vidéos. Un musulman pas comporté comme ça, de sa façon de faire là. Alors, veut dire qui vraiment plan de koufar finir ici, à le point de finir dire dans ban fête, pareillement, dîner d'islam, finir de nous ban fête. Le prophète dit à l'insens à des jours là, il y a des jours qui meillent. Donc, nous réjouir dans nos ban jours de fête et ban jours de ban les autres qui pas concernent nous, ça n'est pas pour nous. Donc, troisième qui nous causait, c'est ban fête. Quatrième, un peu plus général, de ban adat, ban l'habitude. Nous pas supposer faire pareil comme ban koufar, de ban l'habitude qui spécifique à zut. La cause, nous reçons cela, alayhi wa sallam, fin dire, man teshabbaha bi qawmin, fa huwa minhum. Celui qui imite un peuple, fa huwa minhum. Celui qui imite un peuple, l'y trouve parmi sa peuple. Parole là, l'y bien vaste, l'y bien général. N'importe de qui tu ne peut imiter de man qui est spécifique pour man koufar. Par exemple, nous pouvons nous rassurer sur l'alayhi wa sallam de hadith, il est interdit al-qaza. Qaza, c'est un démon qui rase sur la tête, qui quitte un petit cheveu. Le prophète, il est interdit sa quitteuse. Qui fait, c'est parce que c'est l'habitude de man koufar. Mais pareil, n'importe qui musulman, ou bien musulmane, qui de ce coiffure, de ce vêtement, il peut faire pareil, la mode, pareil, commence à man koufar. Là. Il peut faire son mariage avec mixité et ainsi de suite, pareil comme sa manne koufar là. Alors, qui peut arriver, il peut ressembler sa manne, car à faire là, et qu'est-ce qu'il le prophète dit?
Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. C'est lui qui imite un peuple, l'y trouve dans sa peuple. Subhanallah. Le prophète peut dire, comme s'il peut dire, il n'est pas dans mon oumat, ça, il est dans sa peuple. Tu peux suivre là-bas, mais allez suivre. Et vous pouvez trouver que nos rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit prendre toute précaution. Nos rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit prendre toute précaution qu'un musulman lui n'a pas ressemblé. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Uhfu al-shawarib wa arhu al-liha » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Corrige votre moustache et garde votre labob abondant. » Le premier, il mentionne « Khalifu al-mushrikin » Faire les contraires de bal-mushrikin. Donc, il enseigne nous, il a des quitteuses. Nous imite kafir, c'est une quitteuse. Le prophète n'a été dit à nous pour imiter kafir. Le prophète est haut de nous pour faire les contraires. Tant qu'il n'a pas fait la différence avec Dieu. C'est important. Faire les contraires avec Ban Koufar. Donc, tout cela pour préserver, pour qu'un musulman lui préserve son identité. Lui préserve son identité. Lui pas PID. Donc, il n'y a pas qu'un espagnol musulman, il n'y a aucun trait musulman. Et pourtant, vous trouvez, il y a certains les autres hommes qui sont fiers de leur identité. Je vous mets un symbole religieux, un lacôte ou bien la croix, un petit cas. Parce qu'il fait, il est fier de son identité. Mais nous, musulmans, et spécifiquement, il y a l'autre depuis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour nous paraître comme un croyant, comment nous vous trouvez là. Et la même question qui nous fait pour nous paraître comme un croyant, vraiment pour nous différencier avec Ban là. Nous n'y à l'autre là. Alors nous bien faire. Donc nous bien, nous causons un petit peu là comment sa oumat là, malheureusement, il peut suivre Ban Koufar en différentes façons. Azodi dans mode de vie, de façon de vivre avec Azodi, par exemple, sa moussalmanan, il est matérialiste. Par exemple, sa kafir là, il vit, comment dire, il n'est pas croire dans la vie de l'akhira, comme c'est un musulman azoudine vini, n'est plus aucun signe dans lui qui lui paraît comme un musulman. Mais comment nous pouvons faire? Ça qui plie pour autant là. Comment nous pouvons faire? Quelle solution? Qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas tomber dans sa erreur qui appelle At-Tashabbuh bil Kuffar, suivre Ban Kuffar? Nous mentionnons quelques bons points qui nous retenaient lui afin qu'il nous mette en pratique. Ce qui nous besoin faire pour qu'il nous pas pour nous préserver nous et nos familles, nos enfants, depuis imitation de Ban Koufar. Par exemple, vous trouvez aujourd'hui beaucoup contaminé de vedette. Bon exemple, hein, où vous trouvez qu'il nous reçoit sur l'Alaihi Wasallam, fin interdit à Ban Zoum, les autres vêtements dépassent autres chevilles. C'est un lot de reçoit sur l'Alaihi Wasallam. Aujourd'hui, vous pouvez trouver qu'il y a un jeune, je plie, je pantalon, là aux autres chevilles. C'est moi qui fais, je peux faire ça à cause d'une vignette de la mode. Quand Kafir fait les vignettes de la mode, là, vous trouvez seulement Féli. Mais quand nous reçoit, tu dis Féli, il n'y a pas de Féli. Il fallait Kafir fait les vignettes de la mode, là, il est Féli. Et il va pouvoir honter pour les Féli. Pareil, comment elle est de la mode qui se déchire ce pantalon, se déchire ce vêtement. Alors, ça dit, moun là, il n'y a pas pour honter mettre un pantalon qui déchirait. Tu fais pas ce Kafir là qui dit faire ça. Alors, tout cela pour montrer comment nous, musulmans, les pieds liés, les pieds suivent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin prédire. Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour nous préserver, nous garder nos identités en tant qu'un musulman? Un premier point, c'est qui dans nos imams, dans nos akidas, dans nos croyances, hein, qui est essentiel pour le musulman, ça. Les bien étudier akida. Il y a une masla qui appelle al-wala wal-bara. C'est-à-dire association et dissociation. Nos imams, parmi ce ban réquisite, ban implication de sa iman, là, quand on croit dans Allah, il y a une petite chose qui vous est traduite dans la pratique. Quand on a iman, on compte tout petite chose qui est en accord avec din Allah ce matin-là. Et au iman, dictéo qui est obligé dans la haine pour tout petite chose puis qui peut contredire l'eau d'Allah et l'eau de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle al-wala wal-bara, al-hubb wal-bughd fillah. Content et haïr la cause Allah, et nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, « Inna awthaqa ura l'iman, la partie la plus ferme de l'iman, an tuhibba fillah, la partie la plus ferme de l'iman, c'est te content la cause Allah, wa tubghida fillah, et te détester la cause Allah. » Donc les barres disent avec l'amour pour Allah, l'amour à cause Allah, mais c'est détester aussi.
Qui nous pour content la cause Allah? Content tout qui ceux qui ont la relation avec nous dîmes. Nous comptons Allah, nous comptons sur Rasoul, nous comptons ban Sahaba, nous comptons ban Ulama, nous comptons ban croyants, nous comptons ban qui peut lutter pour ce dîme. Nous comptons efforts pour dîme, nous comptons la connaissance de dîme. Nous détester koufre, nous détester shirk, nous détester tout ban du monde qui peut fan koufre, nous détester tout ban du monde qui peut la guerre qu'on dîne Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, le prophète dit, awthaqu ural iman, la partie la plus ferme de iman. La cause à un musulman, il a besoin de dégoût pour le péché. Quand il trouve, des gens peuvent vivre dans le péché. Quand il trouve, au mat, puis galope derrière, Bollywood, acteurs, quand il trouve, il dépense l'argent, combien de millions de dépenses pour faire ça, un acteur, actrice, sorti de Bollywood, là-bas, venu, il a un drapé américain, ainsi de suite, il amène là-bas, puis il paye tout ça. Casse, il a, veut dire, au matin, il a casse. Beaucoup casse encore, il a. Alors, tout ça là aussi, de l'autre côté, l'autre façon de guérir ça aussi, c'est qu'il pour empoisonner l'esprit, sa peuple là, pour qu'il, sa peuple là, il est content dans cette situation. Il n'est pas gagné le temps de guérir ça qui va là-haut, peut faire. Là-haut là, les huit ressources de Oumat, les dépenses le sato, il y en a yacht, je sais pas combien de milliards, il y a cette tableau de la France par milliard, alors qu'il dans le pays là, même il y a un monde qui est pauvre. Pas seulement le pays là, dans l'homme même, il y a comme la pauvreté. Alors, donne distraction au peuple, les autres amusés, pour qu'il a aussi les gains rahat avec le peuple-là. Parce qu'en vrai, l'islam, vous venez. Je ne vais pas prendre la place. Je ne peux connaître, quand l'islam, quand nous pratiquons vrai l'islam, je ne peux connaître qu'il y a un fasique pas supposé lead. Il faut ça, pas supposé être un leader. Il qui peut être la guerre contre Allah, ce matin, se dit. Comme dans Surah Baqarah, vous trouvez. Quand Ibrahim alayhi salam, il fait doua avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla yana l'ahdi zalimin. Mon promesse n'est pas inclure ban zalimin. C'est-à-dire, mon promesse pour mettre ban leader dans sa combat-là, n'est pas inclure. C'est-à-dire, ban zalimin, pas supposé être ban leader. Alors, nous trouvons, premier qui tue, c'est qu'un musulman, les bizarres, il y a ça qui tue là-dedans. Les contents, Allah se dîne et détester le péché. Détester tout le monde qui peut faire une façade de la terre dans ce moment-là. Il a un dégoût pour ça. Il a une nausée quand il trouve sa main de santé, puis danser mal propreté, il a un dégoût de se l'équire, il développe ça de se l'équire. Ça, c'est un premier quitteuse qui nous capable de développer dans nous, pour qu'il nous protège, nous, qu'on suive la mode de Malkoufar. Il ne fallait pas qu'un musulman ait laissé compte, à le compte, à un vedette qui dit qu'il paye la vie mal propre. Allah a dit il n'a mal mouchlikou, il n'a najas. Ban mouchlikoun, c'est ban najas. Comment tu es capable de compter najas? Alors, nous trouvons aussi, deuxième petite chose, c'est qu'un musulman, il est bien connu qu'être un musulman, c'est un lunir. Il est finit honoré depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Un musulman, il n'est pas supposé dans un complexe d'infériorité. Il n'a pas dit, il a envie de cacher son identité. Il est censé être inférieur quand il est être musulman. Non. Il a besoin. Sent-il honoré par le fait qu'Allah choisit pour être imandar. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Allah ta'ala mentionné Bashir al-Munafiqin bi anna lahum azaban alima alladhina yattakhidhun al-kafirin awliya min duni al-mu'minin. Allah je donne la nouvelle à ban munafiq qui je prenne une punition douloureuse, ban qui je prends ban kuffar comme ban allié. En dehors de ban croyant, Allah dit ayabtaghun 'indahum al-'izza. Je peux redresser avec ce man kafir là. Le talak il dit ali. Il dit ali pour faire Saudi, il pour faire Middle East, vint the New Europe. Il pour faire the Middle East, vint the new Europe. L'inébloui pas européen. Il pour faire Middle East, vint l'Europe. Subhanallah. Allah donne sa qawm là, Coran, il donne l'idine. Au lieu il invite les autres, il peut envie suivre les autres. Et il veut faire ce peuple suivre les autres. Allah Ta'ala dit Ayabtaroun indahum al-izza. Sa man munafik là, je peux redresser avec sa man kafir là. Vous trouvez Omar ibn al-Khattab. Écoute bien cet événement là. Rappelle cet événement là bien. Qu'est Omar ibn al-Khattab? Qu'est sa rizza qui tient dans le Sahaba? Omar ibn al-Khattab, qui était là? Amir al-Mu'minin. C'est à l'époque-là, l'âge d'eau de l'islam. Abou Bakr al-Siddiq, il finit préparer le terrain. Il finit rentre dans l'Irak, il finit rentre dans la Syrie. L'État Abou Bakr al-Siddiq quitte Dunia. Omar prend pouvoir.
li komanse li konti konkèt li desann de l'empire li desann la PS l'empire PS li desann l'empire romain l'islam prend leadership de ça le monde là nous dit nous Oumad type lead ça le monde là Oumad ibn al-Khattab à ce moment là est dans la Syrie conquérir et il est dans la Syrie il prend ben sahaba avec lui c'est Abu Ubaida ibn al-Jarrah il dirige vers la Syrie. Les temps, les prêts pour arriver dans l'endroit où tu viens aller, qui est l'endroit ça, c'est moyen d'aller avec moi. Mais sinon, quand les prêts pour arriver dans l'endroit, dans la Syrie, là-bas, côté Tina pour aller, il y a une ruisseau, ou bien la rivière, qui vient traverser. Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab, il tient ce soulier, ou bien ce sandalette, il pose ça sur ses épaules. Il descend des pilotes, ce monture, ce chameau, ou bien ce cheval, il attrape ce monture, ce reine de son armée, l'imos d'Adilou. Abu Ubaida bin al-Jarrah li dit avec Omar, « Ya Amir al-Mu'minin, anta taf'al hadha, tu peux faire ça. » Ou pas tu es content que ça m'a dit mon âtre ou dans la situation là, président peut manger pieds ni, d'une certaine façon, mais dans le langage un petit peu contemporain, toi président, tu peux manger pieds ni, tu peux même le tout, tu peux manger, tu peux venir. Et toi, ô Amir al-Mu'minin, tu peux manger comme ça, avec le suivi aux épaules, tu peux manger d'Adilou comme ça, ou peut-être ou montier d'Aoulamé, ce règne de montier d'Aoulamé. Moi, je suis content qu'il m'a dit, mon trouve comme ça. Omar ibn al-Khattab dit, Awa, c'est une parole de réprimande. Si tu as l'autre, dis qui dit sa parole-là, moi, tu peux punir lui. Mais toi, tu Abu Ubaida ibn al-Jarrah, tu es un grand sahabi. Il dit, lui, comme ça. Inna kunna adhalla qawm. Nous tiens un peuple qui extrêmement adhal, qui mine, qui bat. Nous tiennent peu bas. Pour montrer comment les arabes, les romains, tu peux dire que les arabes là, je ne pas vous pour venir esclaves. Les arabes, ils ne sont pas des bédouins. Ils ne sont pas une civilisation dans la péninsule arabie avant l'islam. Ils disent nous, le Omar ibn al-Khattab dit Inna kunna adhal laqawm, ils disent que les bédouins sont plus bas. Fa'arazan Allahu bil islam, alain onounou pour l'islam. Fa'mahma natlubul izza bi ghayri ma a'azan Allahu bihi. Avalan Allah. Tant qu'il ne peut riser par un lot qui tseuse, qui par lesquels Allah fin onounou, veut dire par l'islam. S'il ne peut riser avec l'autre qui est l'islam, avalan Allah. Allah pour humilier nous. S'il ne peut riser par un lot qui tseuse, qui est l'islam, Allah pour humilier nous. Alors, je vous dis qui vous trouvez. Le monde musulman, peut prendre, peut riser avec santé, kafir, d'amener malpropreté de ce pays pour venir danser. Alors, les gens en Chili, quand ils font ça, les gens disent, oui, c'est là nous civilisés. Quand nous, madame, commence à danser, ensemble avec Banzoum, quand nous, madame, commence à faire des qui vont l'affaire des autres pays là-bas, les là, nous pouvons nous, madame, pour sentir nous libérer. Là, quand je vais mettre hijab, djilbab, je peux observer la chasteté, je ne peux pas faire une scène indécente, là, je suis oppressé, là. Quand je peux venir danser, ensemble avec Zoom, dans la foule, pas même mouchtique mal pour danser, là c'était là maman. Bel avancement pour faire là. Là, une fin, bel avancement. C'est un qui est arrivé à Zoji. C'est un qui est remarqué pour dire tant que nous broderisons avec un lot qui tue aux apôtres, apôtres d'in à l'islam, Allah ta'ala li pour déshonorer nous. Allah ta'ala pour déshonorer nous. Donc, veut dire qu'il nous besoin d'un risa en tant qu'un musulman. Nous, nous avons un iman, nous avons une mission de la terre là, nous avons propage nous dîmes, nous avons faire les autres rentrer dans nous dîmes, parce que nous avons du bien pour les autres. Et non pas nous, nous allons suivre qui ce que les autres ont inventé. Pour terminer, dernier qui ce aussi, comment nous pouvons trouver, il y a beaucoup de hadith qui de nous l'aude, quand le hadith commence par khalifou, faire les contraires de Ban Mouchtikine. Par exemple, nous pouvons trouver, il y a un hadith contre le Rasoul alayhi wa sallam d'Abu Daoud. Il dit, Izratul muslim, il a nisfi saq. Vêtement, veut dire, Izar, c'est pantalon, veut dire, ça, Izar, c'est la toile qu'il mettait en bas. Veut dire, quand nous guettons un hadji, il met des pièces, l'eau, sa pièce qu'il met en bas, là, appelle ça, Izar. Là, on appelle ça, Rida. Le prophète dit ça, Izar, de un croyant, ce qu'il mettait en bas, les jusqu'à la moitié se mollit. Et il n'y a pas de problème s'il est ici, descend jusqu'à côté de ses chevilles. Mais c'est moi, ma canne, Asfala min al-Ka'bain fa huwa fina. Ça qui dépasse ce vie, ça allait dans l'enfer.
Il est pour qui servir le terme Izratul Muslim. Vêtements, pantalons, Izrat d'un croyant. Il dit un vêtement d'un croyant est un signe distinctif. Il ne dépasse pas ses chevilles. Parfois, il peut dire que c'est un bout de la toile. Ça. Non, le professeur Alaihi Wasallam peut nous faire ça pour qu'il nous ait un signe d'être un musulman. God la Bob qui fait parce que ça, c'est signe d'un musulman. Ça. Comme ça, vous trouvez, ça madame-là, quand il met sur Nabili modestement, il met sur hijab, sur djilbab, ça c'est, il peut montrer qu'il y a un mu'mina. Alors, un musulman, il besoin préserver son identité. Il besoin préserver son identité quand il était trouvé un musulman. Ça. De sa façon de parler, de sa façon d'agir, de sa façon de vivre, de sa façon de faire son mariage, de sa façon qu'il est célébré. Tout ça là, un musulman, il n'est pas pareil comme un des autres. Donc, voilà, frère et soeur en islam, comment un musulman. Il faut faire des efforts pour qu'il n'a pas suivi les autres cas. Et surtout, il fait attention. Surtout qu'il nous a l'île Maurice, nous, nos enfants. Il besoin l'école publique, il besoin pèlerin avec les autres. Il besoin surveiller bien, qu'il nous préserve, nous dîne. Nous, musulmans, il a une caractéristique propre à nous. Il a une habitude propre à nous qui distingue nous de les autres. Alors, quand l'on se montre là, il fait nous tous les temps. Être fier, pas veut dire être fier, arrogant, on veut dire sentir-nous honoré qu'il est musulman. Et une fois qu'il nous préserve l'identité, quand nous pouvons agir d'après les enseignements de l'islam, nous, dans nous-mêmes, nous pouvons venir une façon pour inviter les autres vers l'islam. Donc, Allah Ta'ala lui donne une connaissance qui est profitable et lui fait nous tirer leçon. Ça qui est important, tirer leçon. Peut-être qu'un frère qui a voyagé dans un petit peu d'un pays arabe, ainsi de suite, un pays musulman, nous vous trouvez jusqu'à qui point ça peuple musulman là. Pourtant, ce langage, c'est arabe. Il est loin avec ce dîme. Il est très très loin avec ce dîme. Il finit à adopter la culture des autres. Les pays vivent en concubinage, les pays boivent la boisson. Il n'est plus rien, ça s'appelle dîme dans lui. Alors, bien faire attention qu'il nous ici, nous venons de cette situation là. Personne n'est pas à l'abri. Shaitan, il travaille nuit et jour. Shaitan, il travaille faux. Alors nous aussi pareil, nous devons être vigilants, nous devons apprendre le dîn et faire droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah les préserve nous contre les garments. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la connaissance profitable et les fait nous tinifiem avec nos dîn, qui nous retourne vers le Coran, les enseignements de le Coran, les enseignements de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout dans cette époque-là, nous pas préoccuper nous avec des choses futiles. Retourne vers le Coran, retourne vers le Sunna. Retourne vers le Coran et le Sunna, ben, l'enseignement fondamental de nos dînes. Ne trappe ça. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous atteindre nos destinations. Wa akhir da'wana anil hamdalillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.